Allez. C'est bon ? C'est bon ? Allez hop. Et voilà. Bravo. Alors aujourd'hui, on se trouve à Temple-sur-Lot, sur le site du village Kinder plus Sport. C'est un moment qui est très sympa. C'est un moment de partage entre des enfants qui partent en vacances et des sportifs de haut niveau qui viennent partager leur passion pour le sport. Ça fait bizarre parce que quand tu les vois à la télé, tu te dis « je les verrai jamais ». Puis là, aujourd'hui, c'est arrivé, je les ai vus. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle parce qu'on a vu deux grandes stars françaises du sport. C'est vraiment incroyable, on les voit à la télé jouer et là, on les voit pour de vrai. Ouais, c'est toujours très sympa, les enfants sont toujours top. Alors, ils n'ont jamais la langue de bois, ils posent toujours les bonnes questions. Et c'est assez agréable d'être avec eux. C'est avec plaisir, bien sûr, que je leur réponds et que je passe du temps avec eux. Non. Joe, il nous a appris à lancer une balle pour bien viser et bien l'envoyer loin. C'était bien, on s'est bien amusé. Bah, je pense que le sport a un rôle éducatif. Je pense qu'il véhicule de superbes valeurs. Ce sont des valeurs de partage, de respect des règles, de dépassement de soi-même. Et je pense que c'est un très bon cadre pour les enfants. J'ai rencontré Tony Estanguet. Il nous a appris une très bonne technique pour faire du kayak. T'as l'impression que tu es léger quand tu es dans les kayaks. C'est toi. Ce qui est très fort dans ce programme Kinder plus Sport, c'est qu'effectivement, il y a ici, pendant ces vacances, cette semaine de vacances, une sensibilisation, une éducation au sport. Donc il faut essayer de lancer le maximum de balles le plus loin possible. Mais ensuite, on va au-delà, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser les enfants se débrouiller tout seuls et le programme va leur permettre, leur faciliter l'accès à un club sportif en payant une licence pour rentrer dans un club et pour pouvoir continuer le sport qu'ils vont préférer.